Aujourd'hui, on va parler du patriotisme. Avant tout, on va essayer de bien faire la distinction entre patriotisme et nationalisme, qui sont deux choses assez différentes. Il serait facile de dire que le patriotisme n'est qu'une composante du nationalisme, et que ce dernier est bien plus dévastateur. Mais ça serait trop simple. Déjà, il faut rappeler que le patriotisme, c'est le sentiment d'appartenance à un même pays, alors que le nationalisme, c'est un principe qui vise à ce que chaque peuple vive dans un pays bien distinct. Avant tout, il faut savoir que autant pour le patriotisme que pour le nationalisme, leur existence entière est basée sur la séparation des territoires par des frontières. Pour les patriotes, un humain qui naît dans un pays aux frontières bien définies se doit d'être fier de ce dernier et se battre pour lui et ses valeurs. En soi, qu'est-ce qu'il y a de mal à défendre des valeurs communes aux habitants d'un pays si on les trouve justes? Eh bien, c'est là que la définition ne colle pas avec la réalité. Autant le patriotisme que le nationalisme partent du postulat erroné que chaque être humain est indépendant, alors que nous sommes tous interdépendants. Que vous le vouliez ou non, votre confort, votre nourriture, vos biens matériels et bien d'autres choses sont à votre disposition grâce à l'intervenance de nombreux pays en plus du vôtre. De votre nourriture achetée à Leclerc importée ou de votre iPhone fabriqué en Chine, que vous le vouliez ou non, le monde dans lequel vous vivez est avant tout celui des autres. Le problème, c'est que ces deux états d'esprit prônent la séparation des territoires au détriment de l'union. Que se passe-t-il quand chaque habitant de la Terre croit vivre dans le meilleur pays du monde? Déjà, par définition, c'est impossible. Ensuite, ça ne peut qu'être néfaste pour le bien commun et pour l'avenir. À ses débuts, Homo sapiens était une espèce nomade composée exclusivement de chasseurs-cueilleurs. Des études montrent qu'avec ce qu'on sait, Homo sapiens a vécu à cette période, soit 99% de son existence, sans jamais faire la guerre avec ses congénères. Cela s'explique par l'absence de territoire fixe et de la non-nécessité pour ces derniers de s'entretuer. Quel serait l'objectif sachant que personne n'accumulait de richesses à cette époque? Pas de territoire à conquérir, pas de richesses à piller, et donc pas de guerre. Ce n'est qu'à partir du moment où Homo sapiens s'est sédentarisé vers moins 10 000 et a commencé à s'établir en territoire pour accumuler des richesses que les guerres ont commencé et n'ont cessé depuis. Essayez une minute d'imaginer un futur positif pour l'humanité. Que voyez-vous? Personnellement, je vois un monde où chaque être humain est patriote. Mais dans ce monde, la définition a changé, et être patriote signifie maintenant le sentiment d'appartenance à l'humanité, et non limité aux frontières d'un simple pays. Et c'est vers quoi on essaye tranquillement de se diriger. Regardez, avant l'Union Européenne, il n'était pas rare que des pays d'Europe se fassent la guerre entre eux pour des conflits d'intérêts. Mais depuis que les intérêts de ces pays sont centralisés, ça n'est plus le cas. En fait, c'est assez simple de remonter à la source du patriotisme. Beaucoup de personnes ont un besoin presque vital de se rattacher à un groupe pour se sentir bien. Ça peut être pour se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes valeurs qu'eux. Le problème, c'est que dans le cas de l'appartenance à un même pays, ça n'a plus vraiment de sens. Déjà, parce que sur un territoire aussi vaste, les avis peuvent être très opposés d'un bout à l'autre du pays. En France, par exemple, les avis diffèrent énormément sur pratiquement tous les sujets. Ensuite, si on cherche les points positifs à être patriote, on a d'un côté le rassemblement des personnes sous une même bannière, et de l'autre, le partage de valeurs communes. Voici en quoi pourrait consister une amélioration de ces deux points positifs. Rassembler des personnes sous une même bannière, c'est une bonne idée. Alors pourquoi ne pas l'étendre à l'humanité tout entière? En faisant ça, on enlèverait la lourde conséquence qui est que toutes les personnes qui ne font pas partie de cette bannière, et ici par bannière il faut entendre drapeau, sont exclues. Ensuite, partager des valeurs communes, c'est une bonne idée aussi. Le souci, c'est que le patriotisme est profondément en désaccord avec ces valeurs. Comment voulez-vous vivre dans un pays qui prône la liberté alors que ses frontières sont fermées et que seules certaines personnes peuvent franchir? La liberté, mais pas pour tout le monde alors? Comment voulez-vous vivre dans un pays qui prône la fraternité alors que tous les jours des discriminations affligent des minorités faisant pourtant partie de cette grande famille qu'est l'humanité? Comment voulez-vous vivre dans un pays qui prône l'égalité si suivant votre couleur de peau, votre origine ou votre appartenance religieuse, on ne vous traite pas de la même manière? Malgré tout, on ne cesse de progresser dans le bon sens. Suffit de se rappeler qu'en 1905, on chantait dans les écoles « Mourir pour la patrie » et les enfants disaient eux-mêmes que c'était le plus beau des chants. Je pense que les patriotes se trompent de problème. Il n'y a aucun avenir dans la division des peuples, en tout cas, aucun dans lequel il fait bon vivre. Le patriotisme est votre conviction que ce pays est supérieur à tous les autres parce que vous y êtes né.